Ma Sushi, tu es loin, en vacances à l'autre bout du monde, au pays du soleil levant. Mais grâce à mon ordinateur et à Internet, nous allons communiquer. C'est formidable. Bah les gars, vous êtes beaux comme des camions. Vous allez à un mariage ou quoi? Dites, vous vous y connaissez en ordinateur? Pourriez m'aider à installer le mien? Comme je suis néophyte, On n'a pas le temps d'initier les débutants. On a trop d'ambition, ouais. Ouais, on monte une start-up, quoi. On a un rencard à la banque. Ah, elle est belle, l'amitié. On peut compter sur les amis. N'aie crainte, ma Sushi. Je me débrouillerai tout seul. Bientôt, nous serons reliés grâce à la magie électronique. Cette télécommande, c'est pourtant du matériel neuf. S'il croit m'arnaquer comme ça, non. Ah, non, mais qu'est-ce que c'est que cette camelote? Je retourne au magasin, ils vont m'entendre, non, mais... Nous sommes des ambitieux. Ouais, on vient faire un emprunt pour monter notre start-up, quoi. Et quel est votre projet? Ben, monter une start-up. Oui, mais c'est quoi votre idée? Non mais oh, vous êtes sûr monter une start-up, on vous dit, avec des ordinateurs et tout ça, fatch. On se met en réseau et on investit le monde, quoi. Vous avez compris, monsieur? Alors, vous le crachez le blé, ouais. Je peux pas, votre dossier est trop flou. Allez, on se casse. Un jour, il regrettera de pas avoir misé sur la jeunesse et l'ambition. Greg, mon brother, ça va? Et t'as vu, j'ai acheté un ordinateur pour envoyer des emails d'amour à Baby Doll. Elle bosse avec Sharon dans une boutique informatique ce week-end. Alors je vais lui déclarer ma flamme par courrier électronique. C'est beau, non? L'intention est louable. Mais attention, tu fais une lamentable erreur. Suis-moi, mon ami, tu vas voir. Ah bon? Non, mais dites, c'est ça la nouvelle économie? Vous voulez tellement en faire des économies que vous nous refilez cette télécommande archaïque avec un câble grossier. Je veux une télécommande à infrarouge, immédiatement. Soyons modernes, nom de nom. Mais enfin, vous débarquez ou quoi? C'est pas une télécommande, ça c'est une souris. C'est ça. Prenez-moi pour un Mickey. Et elles sont où les pattes? Elle s'est fait amputer et épiler. Elle est toute lisse, plus un poil. C'est pas un peu gros là, mon vieux? Non, mais c'est quoi cette arnaque? Moi aussi, on m'a refilé une télécommande avec un fil. J'exige qu'on me rembourse sur le champ. Viens, Jimmy. Yeah, brother. Laissons tomber l'artifice électronique. Ouais, l'informatique, c'est pas fiable. Heureusement qu'on fait ça qu'un week-end, hein, tu trouves pas? Promotion spéciale! Connexion Netcam World Online! Communication illimitée avec le monde entier! Promotion spéciale? Mouais. Promouvoir le web, la communication mondiale, alors qu'on parle à peine à son voisin. Pour les filles, on fait la promo! Communication illimitée? Ouah, ça démonte! On communique chez moi ou chez mon cousin? Ça vous dit, les bichets? Non, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Eh, dis donc, t'as le disque dur qui pète? Vite, un antivirus, faut nettoyer le système défectueux.
Allez, viens, Maurice. C'est de la pub mensongère. Hé, hey, ton site, c'est www.groslourd.com. Tu vois, Chami, je crois qu'on a oublié d'utiliser un terme vraiment convaincant tout à l'heure. Mais cette fois, stock option. Eh ben ouais, stock option. Vous avez bien entendu. Stock option, eh ben on vous en laisse. Allez, pas une, mais deux. Si vous investissez dans notre superbe start-up, c'est pas cool ça. Mais c'est quoi au juste votre projet, votre idée, messieurs? Avant d'avoir des stock options, il faut des fonds et... Enfin, vous n'êtes pas crédible en l'état et... Et puis quoi, on n'est pas crédible? Matt, les costards de businessman, trop de la bombe, quoi. On a sorti la garde-robe. C'est pas possible d'avoir des œillères comme ça, Fatch. J'ai dit start-up et stock option. Oh, décidément, les investisseurs sont frileux. Où est l'audace de l'investissement sur les jeunes, quoi? Il n'y a plus d'aventuriers du capitalisme. Nom de nom, Jimmy. Hein? Regarde-moi tous ces zombies. Mieux vaut être comme nous et écrire nos messages pour nos dulcinées avec notre bon vieux matériel archaïque. Papier et stylo. Yeah, de la matière palpable et sensuelle. Alors, ma baby doll chérie que j'aime. Sushi, ma fleur d'Asie, mon estompe japonaise. Je voudrais un timbre pour envoyer mon email. Ça n'est pas nécessaire, jeune homme. Il suffit de cliquer sur envoi. Oh? Mais... Oh. Oh, mais enfin! Hé, hey, Greg! Il paraît qu'on n'a pas besoin de timbre pour envoyer un email. Peut-être, mais les boîtes aux lettres ne sont pas au format. On aura tout vu. Oh, je vous jure, les nouvelles technologies. C'est quand même pratique, Internet. T'as un ami au bout du monde, tu lui écris, tu cliques sur envoi et hop, en 3 secondes, il reçoit ton message. Ouais, mais pour pouvoir faire ça, faut d'abord acheter un ordinateur hors de prix qui peut être bousillé à moins de 2 par un virus informatique. On se connecte sur le net et boum, c'est Tchernobyl. Bravo, dans bébé, le disque dur. Je suis d'accord. Le numérique, c'est décevant. Ouais, c'est vrai, j'ai même pas pu te poster mon email, alors je te l'apporte en main propre. Allez, suis-moi que je t'instruise. Tu te rends compte, Sharon? C'est scandaleux. Les ingénieurs en informatique sont ridicules. Leurs boîtes aux lettres électroniques ne sont pas au format. Je crois que c'est toi qu'il faudrait formater. Hein? Quoi? Voilà. Tu vas dans la fenêtre, écrire un message, et puis tu tapes mon adresse électronique, babydoll@nounours.com, et tu écris. Ça y est! Ok, maintenant tape sur envoi et dans quelques secondes, j'aurai ton message. Une start-up de charcuterie. On appellerait ça www.sauciflard.com. On aurait des commandes du monde entier, quoi. On expédierait la cochonaille par le câble du réseau d'Internet et à nous la fortune. Ta cochon pourra passer par le câble d'Internet. Là, on fera fortune. Pas avant. Eh ben quoi, il y a plein de trucs cochons qui passent par Internet, quoi. Eh ben, les ambitieux. Et votre start-up? Pfff,
On parle de nouvelles technologies, de web communication, de fibres optico-numériques, de câbles coaxiales. Enfin, l'avenir, quoi. Ouais, mais les banques, elles comprennent pas notre langage de jeunes, quoi. De toute façon, les gars, vous perdez rien au change. L'informatique, c'est pas au point. Regardez, impossible de poster mon email dans l'ordinateur. Le nul, on peut être ignorant, mais alors à ce point... Il sait pas ce que c'est qu'un email. Greg, ton site internet, c'est www.enretard.com. Oh, et les businessmen à deux balles dans vos costards ridicules. Vous, votre site, c'est www.fringuecommedespingouins.com. Non, le nom de mon site, c'est www.tu-vas-t'en-prendre-une-point-dans-la-figure. Ah oui, et toi? www.onsecalme.com, s'il vous plaît. Espèce de bug, disque dur défectueux, va monter qu'un kilo octet, fatch. Modem pourri, va, suppositoire électronique, start-upper du dimanche, disque mou. Modem à bas débit. Allez, modem pourri. Yeah, les filles, voici quelques vers en votre honneur. Femme yo, tu es mon unité centrale. Toi, carte fille ou carte mère, mon processeur te vénère. Ma mémoire vive est en émoi. Oh, femme, femme, quand je pense à toi, yo! Oh, ma sushi, comme tu me manques. Mieux que le courrier électronique, revenons à l'aéropostale.